à ça? C'est facile de se moquer. Je me moque pas, va, j'étais comme toi. Mais tu sais, si tu continues à glandouiller comme ça, non seulement tu vas pas changer le monde, mais... En plus, tu vas pas aller loin. Remarque, c'est pratique la morale quand on nage dans la thune. Qui nage dans la thune? Moi, je nage dans la thune. J'ai travaillé pour l'avoir, ma thune, comme tu dis, hein. Sophia, écoute-moi. Faut que tu gagnes ta liberté. L'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus important, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, toi? Je sais pas trop. Actrice, modèle, chanteuse. Bon bah ça va, ça demande pas bac plus 15, mais un peu quand même, non? D'ailleurs, à ce propos, t'avais pas d'Edouard? Non. T'avais pas d'Edouard? Si, mais je piche que dalle, c'est une disserte, franchement, ça me saoule. Bon, allez, viens. Bon, c'est quoi ton sujet? C'était quand on tombe pas, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Franchement, j'en sais rien, les pommiers, ça peut pas les rues au Berlin. Quand on tombe par, on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est ça? Ouais. Eh ben, c'est une métaphore, ça. Ça veut dire qu'en fait, on reconnaît la valeur d'un être humain à ses actes. Mm-hmm. Non, je comprends. Bah, une métaphore, tu sais ce que c'est? Non. Par exemple, cet ordinateur m'a coûté la peau des fesses. Ça veut pas dire que j'ai des petits bouts de fesses en moins. Ça veut dire que ça m'a coûté très cher. Que d'habitude. Et notamment pour mademoiselle Sophia Abdelawi. Qui a fait ce devoir, Sophia? Quoi, mais personne, c'est moi. Ne mens pas, tu n'es pas capable d'écrire ça. Mais je l'ai fait, votre truc, du début à la fin. Introduction, thèse, synthèse, antithèse, tout. Thèse, antithèse, synthèse. Très bien, puisque tu t'obstines à te moquer du monde, zéro. Oh, vous vous taisez maintenant. Vous êtes incapable d'écrire trois mots de français correctement, alors vous vous taisez. Ah bon? Très bien. Si vous prenez comme ça... Sophia, non, arrête. Cela, t'as pas le droit de faire ça. Tu arrêtes. Tu te calmes. Tu te calmes. Sophia n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence. Or, je certifie sur l'honneur qu'elle a bien fait son devoir elle-même. J'étais là. Maintenant, c'est très simple. Soit vous acceptez une médiation avec ma cliente, soit nous portons plainte. Ils sont verts. T'inquiète pas, papa, tout ira bien. Y a pas de soucis, ok? Bisous, je te rappelle. On était bien quand même ici. Ouais, bof, à Aubervilliers, y'avait pas de quoi. Je me souviens pas cette petite tête, mon bouchon. Tenez. Merci, merci. T'es sûre que tu veux pas compter d'arranger? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Tu viendras nous voir? J'espère. Peut-être. Allez, les filles, on y va. J'ai même pas votre numéro de téléphone. Pourquoi faire? Tiens, mon numéro de portable. Dans le grand silence de la forêt. Sophia, tu me coupes immédiatement ce portable. Ouais, Sophia, c'est interdit, je te colle un blâme. J'ai mis papa en prison. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je te dis, je l'ai mis en prison, tu comprends? Bon, attends, tu bouges pas. Ok, tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Sophia, mais qu'est-ce que tu fais? Sophia! Sophia! Ma c'est pas ta faute, mon cœur. J'ai appelé Clément, ça va venir.
Ah bah c'est vrai, Farid. Si vous épousez une Française, plus personne ne pourra vous expulser, c'est génial. Alors, me marier comment? Oh. On se marie par amour. J'aurais juste perdu le principal. Pas pour avoir les papiers. Non mais c'est vrai. Vous pourriez nous adopter, on serait une vraie famille. Allez pas, on aimerait bien vous avoir comme parents. Alors. Ouf. Ouf. Bah, je vous jure, ça s'est pas fait sans mal. Parce que faire l'impasse sur la publication des bancs, ça va pas ranger mon affaire. Remarquez, lui, il l'a bien fait. Oui, c'est vrai. Ah. Eh oui, mais lui. Lui, c'est lui. About you, oh, my shoe.